Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. On profite de final ça. On parle avec le pays. Et pour montrer le monde entier, Haïti va développer. Vous avez pas de nous faire? Nous tout présenter nation bit good. Nous pas payer équipe avec l'argent papier, avec l'argent monnaie, mais nous payons avec l'argent électronique. Ça sont grosses décisions économiques que pays d'Haïti prend. Deuxièmement, nous dit tout le monde Ariel qui pour bailler sécurité. Premier ministre pour bailler monde grand sud là service aider. Et troisièmement, ben nous bossons pour faire l'élection dans le pays. Nous ne pouvons pas arrêter sans faire l'élection. Nous avons besoin de gens qui ont légitimité pour être capable de prendre ma aide payante pour mener le pays à bon port. Et pour faire ça, il faut commencer à faire des signes clairs pour nous avoir une volonté pour résoudre l'ensemble des problèmes qui est pour organiser l'élection dans le pays. Nous sommes dans un gâteau. Nous nous décidons dans la Coupe Moïse Charles, dans l'occasion de la 22e édition. Non? Pour nous dire diaspora, pour nous dire peuple jeunesse là, nous nous remercions. Vous qui avez contribué pour le championnat ça. Vous tout qui est capable de nous pour ces attaques l'ennemi. Attaque les classements qui vivent comme esclaves. Je dis, nous sommes sur bonne voie. Nous profitons de Moïse Chalon pour nous bailler chargé d'affaires américaines dans le pays. Pour nous dire attention, 2015. C'était yon 2021, 2022 qui a venu à son lot bagay. Ça qui est passé, je dis, il n'y a pas qu'à répéter encore, parce que les pays sont venus comprendre ce que là. Payant, c'est fini avec nous. Nous te fâchons bon allant, nous profitons dans la Coupe Moïse Charles pour nous féliciter tout. Des équipes qui viennent en finale là, équipe Bayan Batalan, qui dans Milo, équipe Bayan qui dans Pomago. Qui voyait tout gros club aller et eux-mêmes ils ont été dans la finale. Mais après ça, on sait des jeunes qui font miracle ça. Non, non, dans ce sens-là, nous disons que petit de sa ligne, nous disons que les réseaux sociaux, ils mettent tant de mots d'ordre. Haïti n'a pas arrêté comme ça. La vie a vu une piche, grand goût, dollar monté, nous n'avons pas de gaz. Est-ce qu'ils ont arrêté comme ça? Blanc, fouez-nous dans la question négociation. Blanc, fouez-nous dans la question accord, accord des accords. Petit de saline pas d'accord ça. Nous, je tiens, sur cette route, nous demandons, paix sécurité, élection, pour nous retirer pays dans la salle là, je tiens. Mais tout petit pays, nous faisons le progrès. Nous ne parlons pas avec Cuba, nous ne parlons pas avec Venezuela, nous parlons avec la Chine, nous parlons avec la Russie, nous commençons à parler avec les Américains, nous parlons avec le Canada. Semaine qui est venue, 1er-3 décembre, nous parlons du continent africain. Le 20 novembre, je suis Venezuela. Le 20 octobre, je suis Mexique. Nous parlons avec tout le monde. Cette fois-ci, il faut Haïti sortir dans sa liée là aujourd'hui. En gros, journalistes, c'est nous qui voyons le pays, c'est nous qui voyons la société. Nous comptons la présence de bon côté nous. Nous qui quittons la capitale là, nous qui sommes dans nos pays, ou bien nous qui sortons dans nos départements, qui sont présents avec nous. Par contre, qui m'a dit di non pour me remercier nous. Papa Haïtien, je remercie la police nationale, je remercie Abitio, je remercie Liglan, je remercie Machanio, je remercie tout le monde, je remercie le grand public. Le monde qui t'a vendu championnat sur le réseau, félicitations. Diaspora qui veut aider le championnat, le monde qui est dans le pays, peuple, mille merci, mille merci. On bravo pour nous tous qui là, mes amis. On bravo pour nous. Nous avons un bureau qui nous fait que ça allait Milo. Les gens qui recevront Bitgood, toute équipe, tout le monde qui est dans nos services là, c'est Bitgood nous paye. Nous devons changer. Soit côté Joseph Augustin, ou bien dans ce cas, ou bien tout. Dès demain, lundi, nous allons installer la fossette. Nous allons installer tout. Jérémy, nous allons installer Okaï. Port-au-Prince, à peu près 3 ou 4 côtés, nous allons installer. Dans tout le pays, Port de Paix, Folibert, Wanamet, Inch, Jérémy, tout partout. Nous prenons sur ça,
parce que nous quoi, nous faisons passer par trop avec dollars, avec goudla. Jodia, nous gagnons propre l'argent par nous. L'un, et pas nous comme une cité. Nous cité chef de département. Papa ici, nous remercions nous. L'idée ça, c'est parce qu'elle fait colère. Je ne prends pas carte, je ne prends pas devant la banque, je me dis 200 dollars. Deuxièmement, je me dis, les malais veulent être dans Haïti, pas de dollars. Troisièmement, je prends l'argent, je achète du fan pour revendre nous, je fais nous passer par là. Je fais nous couper depuis 8h du matin, pour 4h après-midi, pour nous déposer l'argent à Caillou, en bas soleil, grand goût, nous voulons finir avec bagaille ça. Ensuite, c'est 6% de monde qui prend tout le crédit payant. Si je prends le monopole, c'est au cap mener nous à travers le marché économique. Moi Jean-Charles, petit de Saline, nous voulons finir avec Bagaïsa à travers la vision de Saline, à travers l'idéal de Saline. Haïti c'est pour nous. Nous pas qu'à quitter, c'est mon autre côté qui vient diriger nous. Cette fois-ci, nous prenons destin pays nous. Amen. Bon pas qu'à diriger nous aujourd'hui. C'est nous pour mener pays nous à bon port. Merci les Haïtiens. Merci les Haïtiens. Maintenant c'est l'édition. Je parle au moins de l'enveloppe là. Nous parlons de 150 000 dollars pour qu'il soit maintenant, mais en bit good. Et nous parlons de moitié 150 000 dollars là. En plus, nous parlons de en plus de prime parce que bit good là, c'est moyen qui facilite nous faire des pensions sans ne pas besoin de paquet de l'argent papier. Avec un financement de la Banque mondiale, qui même je tremblement de terre là, quand même t'es passé le matin et puis vers 10h, 11h, je devine travailler avec le bureau moins. Donc nous avons défini un programme. Le programme là, c'est une investigation qui est en fait pour nous dire effectivement qui dégâts tremblement de terre là t'es fait pour Grand Sud. Donc, Banque mondiale t'a accompagné nous, donc t'a fait évaluation. Hein. Donc, décider financer un pont provisoire qui permette nous traverser rivière Grandens là. Donc, je dis à faire 2 mois, je répète encore 2 mois, 5 jours. Donc, nous arrivons à un résultat. Côté matin, en présence du Premier ministre Ariel Henry. Donc, nous soutenons un contrat. Ouvrant ça, les parguins ont porté de 80 mètres. C'est un pont de structure unibrique qui a bien 2 travées. Donc, caractéristique technique ouvrage, là, c'est que hauteur poutre est à 1,25 m, largeur chaussée à 4 mètres avec 2 trottoirs de 1 mètre. Et puis, au niveau du cours d'eau, donc pour les calculs, donc utilisons une vitesse de 2 mètres par seconde. Donc ça c'est pour mon grandeur ça. Donc, mon Jérémie, mon grandeur, n'a pas un petit patience toujours. Nous signons un contrat, mobilisation a fait immédiatement, parce que c'est ça que tu prévois avec l'entreprise là, après la signature du contrat, que mobilisation a débuté. Et rentré dans le bureau, je vais faire l'entreprise là, on autre côté pour commencer les travaux, commencer la mobilisation jeudi. Et commencer à transporter poutre qui parle fait poutre et panel parce que ce sont pour métalliques qui sont liés. Donc, on a commencé à transporter dans le Grand Sud. Là. Nous avons souhaité que la population ait main forte pour permettre que le pont soit sorti pour le prince pour arriver à Jérémy. Et ça va le faire immédiatement parce que l'entreprise a déjà inventorier matériel UAVM, matériel entreposé là actuellement la direction départementale de l'Ouest, donc pour Port-au-Prince là. Donc, Kounia, c'est l'entreprise qui parle prend en charge, assurer transport yo, tout au courant des semaines ça, puis arriver dans la Grandence, de façon que les travaux cap démarrer immédiatement. Ça, c'est pour Pont Grandence. Et les murs de soutènement. La stabilisation des talus, nous avons tout gros monde qui est éboulé,
soit nous connaissons tout pour Jérémie, qui quantité de mouvements qui fait, des mondes qui étaient vidés. Donc jusqu'à présent, nous permettons passage là, mais avec financement Banque mondiale, nous parlons stabiliser Talus à eux. Il y a des ports dans la zone sud-là qui sont endommagés. Il y a des ports de Jérémie qui étaient déjà endommagés, mais avec tremblement de terre là, les dommages viennent accentuer. Donc, la Banque mondiale a permis de nous réparer le port de Kabuta Isayo qui est dans le Grand Sud-là. La Banque mondiale gagne encore, comme projet avec nous, recalibrer toutes les rivières qui quittent place. Donc, nous avons un projet ça à tout, le financement de la Banque mondiale là, pour poser cela. Et puis, nous-mêmes, nous avons commencé déjà, les travaux publics ont déjà commencé avec évacuation de débris. Mais quand la Banque mondiale parle amplifier avec nous, parce que nous avons fait en premier côté, nous avons déblayé toute l'école publique qui est écrasée, et puis nous avons étendu à l'école privée pour te permettre l'entrée de classe là, faite le plus rapidement possible. Bon, effectivement, toute situation est déblayée en moins de un mois. Si côté pour l'école abrité. Financement Banque mondiale là pour poser cela, lui évaluer après évaluation qui est fait avec travaux publics, avec unité centrale d'exécution qui sont une unité qui travaille pour Banque mondiale, le projet est estimé que les réparations à coûter nous pour toute zone sud là à 30 millions de dollars américains. Donc, qui ça, dans 30 millions de dollars américains, font deal, parce que nous-mêmes nous sommes livres ouverts, nous gagnons démolition, enlèvement, traitement et disposition de débris, aménagement, site de stockage. La coûté 3 millions de dollars américains. Nous gagnons appui à la protection civile. Évaluation bâtiment, centre d'hébergement, l'a coûté 2,5 millions de dollars américains. N'a bien traitement des tronçons routiers endommagés. Qui ça n'a fait là dans la route ça yo? N'a pris prendre chaussée yo, n'a parti endommagé yo, n'a pris prendre drainage yo, n'a pris prendre talus. Montant l'a coûté 4 millions de dollars américains. N'a bien réparation des ouvrages d'art endommagés. L'homme dit ouvrages d'art endommagés, c'est tout pont dans le Grand Sud là qui a un problème pour remettre l'état initial là presque. Côté, il y a un poupe qui est déplacé, il y a un culé qui est affaissé. Donc, réparation ouvrage pont ça a coûté 2 millions de dollars américains. N'a bien reconstruction d'ouvrages qui prioritaire, ça veut dire sur route principale. C'est pont, c'est dalo, l'a coûté 6 millions de dollars américains. Et puis, n'a bien réparation hautes infrastructures, à savoir voirie urbaine, n'a bien eau, dîner pas, n'a bien assainissement, dîner pas, l'a coûté 4,5 millions de dollars américains. Nous avons un port de cabotage, qui c'est port des cailles. Nous avons un grand gosier, nous avons île à vache, pour ne citer que trois saillots, et puis ne pas identifier l'autre toujours qui détruit après tremblement de terre là, il a coûté 2,5 millions de dollars américains. Nous avons un aménagement d'espace public, à savoir des places pour récréatives. Bâtiment public, le Grand Sud là, montant l'a coûté 2 millions de dollars américains. Nous avons des infrastructures connexes. Nous avons un barrage, petit barrage petit et pas gros barrage. Nous avons un point d'eau, côté au capté de l'eau, sociaux, l'a coûté 1 million de dollars américains. Nous avons une assistance technique. Total, tout ça, nous finissons de dire là, il a coûté 30 millions de dollars américains. Banque Inter-Américaine de Développement,
y a évalué dégâts au tout de façon que pour ben moi yon des vies surtout pour route Kay Jérémy qui vraiment endommagé et d'autres des constructions de ponts forme dimon Jérémy yo pense que me signe un contrat avec aujourd'hui a c'est si un pont provisoire son petit bagaille petit qu'il y mais gros pont c'est la bib qui a financé donc étude terminée qu'on a pas lancé appel d'offres pour construire un nouveau pont. Un pont en béton armé, la bien partie pour compter là-dedans, tout qui parle sous Gandassa. Son joli pont qui est là. Eh bien, ça c'est pour Presqu'île Sud. Pour Nord-Ouest, nous pas oublier. Nord-Ouest, projet, nous mettons n'a ficelé. C'est donc où moi m'a pas prendre projet Nord-Ouest yo parce que ça qui passe dans Nord-Ouest projet yo t'a financé mais en pile financement pas très sorti en dedans trésor public là donc c'est des massacres qui m'a fait actuellement pour nous reconstituer à partir d'un budget qui parle là ou d'accord pour nous mettre programme pour route Kafoujof Gomon Bassin Bleu, Port de Paix, pour nous finir. Parce que le président Jovenel a commencé, nous-mêmes, nous avons pour mission, c'est des infrastructures importantes pour le pays. Hein? Ça veut dire, travaux publics, MTPTC, ministère des travaux publics, transports et communications, bien pour mission pour finir avec ces infrastructures. Pour définitif, là, pour moi, maintenant, étude la terminée. Nous avons estimation près de aux environs de 30 millions de dollars pour lui. Mais coup définitif là, c'est l'un fait appel d'offres là, nous parle qu'on est quoi, à partir de entreprises qui parle soumissionner. Nous n'avons pas des points normales avant, des présidents, mais les sons c'est là, il y a 16 musiques. Et nous-mêmes, artistes, qui est dans ce travail par thématique, nous toujours tiens à ce que nous épuisons les thématiques, nous à travers sur nous. C'est peut-être ça. Et version c'est quoi, nous avons obligé de mettre trois musiques par jour. Et pas musique encore excusée par rapport à 13 musiques qui nous l'a avant. Et album a gagné 16 musiques. Et nous ne pas garder, par exemple, chaque semaine qu'on pourrait dans l'école, nous avons gardé dans la version c'est quoi. Nous avons gardé le problème d'accès à l'école, accès géographique par rapport au côté de l'école humaine, et qui a émis dans la zone de l'école, nous avons fait des études sur l'école. Et troisième musique là, c'est un problème de séparation de l'activation dans l'école, et nous regardons. Ça veut dire, alors ça nous est là, c'est version citoyenne sur l'album complet, qui garde des thématiques. L'école là, l'école normale, Matin, nous là, c'est pour nous lancer travaux sous préparation budget 2021-2022. Je nous connais nous en retard sous préparation budget 2021-2022 qui était supposé prêt depuis le 30 juin, de manière à ce qu'il soit disponible depuis le 1er octobre. Donc, circonstances que nous tous connaissons fait que les changements, les troubles, donc fait que le budget rectificatif là, il était préparé un peu tard.
Donc pour l'année 2021-2022, nous t'ai dit, suivant les directives du Premier ministre, suivant les directives du gouvernement, faut que nous gagnions un budget qui préparé avant la fin du premier trimestre. Donc c'est ainsi que, avec le ministère de la Planification et de la Coopération externe, avec la Direction générale du budget, donc nous mettons-nous ensemble de manière à ce que nous ouvrions les travaux au matin pour nous obéir à la loi du 4 mai 2016 qui voulait que nous ayons un budget pour le PIA qui établit chaque année. Donc dans ce sens, nous avons commencé avec le travail au matin. Je nous connais, c'est un travail qui m'a demandé en pile temps pour le réaliser, mais nous pourrons faire en sorte à ce que nous réalisions dans les 2 mois, plus ou moins, de manière à ce que le pays soit capable de bailler dans quelle direction il voulait aller, pour le bailler ça non seulement à la population, mais à tous les partenaires techniques et financiers qui ont assisté nous, pour nous dire dans quelle direction nous voulons aller. Nous connaissons le pays a été affecté par le tremblement de terre du 14 août 2021. Nous avons un ouragan qui était passé, sans compter, nous étions déjà à faire face à la pandémie. Donc les documents de référence que nous avons gagné dans le cadre de préparation budget, ça, nous avons gagné le PREPOC, qui sont plans à moyen terme, et puis nous obtenons les derniers résultats de PDNA que ministère du plan de concert avec les partenaires internationaux ont même travaillé sous lui. Mais après tremblement de terre, normalement nous faisons au Sandakarele en évaluation dommages, pertes et besoins. Que terme anglais a dit PDNA, c'est Post Disaster Need Assessment. Donc document ça permet que nous plus ou moins connaissons qui est à dégâts et qui besoin et qui réponse nous cabaye ni à phase de relèvement ni à phase de construction. Et au-delà de documents ça, je voulais dire que nous avons déjà des cumuls de problèmes qui existaient déjà. Nous sommes dans une situation et avant le tremblement de terre, nous sommes dans une situation d'insécurité, nous sommes toujours dans une situation d'insécurité généralisée qui fait que si nous prenons par exemple, simple douane Malpass par exemple. Son cas d'espèce, si nous prenons douane du port, son autre cas d'espèce. Et côté que où est cette ça est difficile, il y a bien difficile pour et prévision que tu fait yo. Yo arrivé à résultat qui était ce côté yo. Je prends ça comme élément. Maintenant, si ça me donne cumul de problèmes, c'est le tremblement de terre 2010. En pile papier écrit, mais ça que tu pour faire yo pas arrivé fait. Et nous avons gagné une question prévision que tu as faite, nous avons une période cyclonique. Qui est-ce que tu as préparé pour la période cyclonique? Rentrée des classes et Covid, un bon événement que nous avons attendu, nous avons ajouté à tremblement de terre. Donc, dans le moment que nous avons fait document, nous avons travaillé sur le document, nous avons dit que nous devons être 6 semaines, le document premier de la censé. Pareil, nous avons pu nous soumettre au grand public. Loi 4 mai 2016, elle fait de Direction générale du budget et avec l'Ibali comme responsabilité pour assurer support technique et logistique et travaux préparation budget. C'est dans ce sens ça que pour nous arriver dans un délai que Jean-Ministre était de la calendrier qui serait ça, nous gagnons, comme nous faisons traditionnellement, des commissions, mais sans parler de eux, et nous pourrons faire suivi à chaque étape yo, de manière vraiment et serré pour que nous soyons capables de respecter chaque date que nous mettons qui dans le calendrier. Donc, c'est pour ça que nous créons des sous-commissions. Et j'en ai senti, c'est des organes multisectoriels, mais qui sont surtout composés de cadres qui soutiennent le ministère de la Planification, avec cadres qui soutiennent le ministère des Finances. Et toutes sous-commissions travaillent en parallèle. Et chaque travail, une finit là pour utiliser le travail de l'autre sous-commission pour nous avoir une cohérence qui pourra faire que, à la date retenue, le nous finissons la conférence budgétaire, nous préparer les documents pour nous soumettre et bailler les autorités pour adoption et délibération finalement. Année ça, bon, profitez pour me dire nous finissons l'année en difficulté. Parce que nous, chaque fois pour approvisionnement fait son casse-tête,
et gouvernement toujours fait effort par lui-même, puisque pour que nous comprenions bien, nous-mêmes nous achetons gaz là, et puis nous bâillons compagnie ça après, nous-mêmes nous venons payer l'État. Donc nous comprenons, l'État obligé de faire des bouts là, et puis il faut le temps de compagnie de payer, vous comprenez, avant lui-même pour être capable de recommencer à commander. Et ça, ce n'est pas le problème, non. C'est parce que nous achetons gaz là, à non prix, et nous tendons sur le marché international, là, bon secret pour personne. Tout le monde a pris le prix gaz là qui j'en l'a monté, mais en Haïti, le prix gaz là était même genre. Donc c'est ça qui est le problème, parce qu'à chaque fois gaz là vend, l'État lui-même, les grands partis, dans le corps là, il faut qu'il joue. Dans le corps que la douane entre, dans le corps DGI entre, il faut lui donner une partie la donne pour subventionner le gaz là. Donc c'est sous ça qu'on a travaillé, parce que pour l'année qui s'est passée là, au 30 septembre, l'État a perdu plus que 30 milliards de gouttes. Dans le gaz là. Donc qui veut dire, son problème, nous pensons que tout le gouvernement penché sous lit, il y a travail, parce que son situation qui est intenable. 30 milliards de gouttes l'année dernière, mais année ça, j'en ai pris gaz là, parti sur le marché international là, c'est sûr, là plus que 30 milliards, donc il faut des mesures qui prend de manière à ce que et nous sortions dans la situation ça. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.